Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Junko00, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes amis, et comme vous le voyez, on va s'ouvrir une petite Pokébox, et pas n'importe laquelle, voilà. La Pokébox Giratina, c'est un très grand moment pour moi, car ça marque une extrémité dans ma collection, vous allez comprendre. La première Pokébox, en fait, hein, que j'ai ouverte de toute ma vie en 2008, était la Pokébox Giratina de 2008. Donc oui, par conséquent. Et voilà, alors ce n'est pas la dernière box que j'ouvrirai, très probablement pas. Mais voilà, j'ai commencé par ça et je retrouve une Pokébox Giratina près de 14 ans plus tard. Donc bah, ça fait extrêmement plaisir, voilà, donc c'est la dernière Pokébox en date. Elle n'est malheureusement pas aussi rare et chère que son homologue de 2013, 2014, de 2008, pardon. Voilà, ça fait plaisir. Je crois pas qu'il y en a eu entre temps. Corrigez-moi si on a une. Donc, on va faire le petit tour. Hein. Motisma, là c'est Pokémon, voilà, Gallame, qu'on achètera aussi très certainement. Et puis le Giratina, elle est, c'est bien évidemment la plus belle. Alors, j'ai changé de téléphone, donc normalement la qualité sera vraiment bonne. Voilà, vous me direz, pour ceux qui iront jusque-là de la vidéo, je l'espère quand même, ce que vous en avez pensé. Allez, on se l'ouvre. Tac. En plus, ça va vachement bien avec le décor autour. Hop, donc la carte promo de Giratina. Elle est jolie, hein. Elle est jolie, on va essayer de la sortir. J'ai même plus de pochette en plus. Hop. Donc ça, on va mettre de côté. Est-ce que j'ai pas des pochettes qui traînent? Une ici, ouais, j'en ai une là. Qu'est-ce que j'ai fait de la carte? What the fuck? Ah oui, ok, je l'ai pris pour le code. Oh là là, je l'ai pris pour le code en ligne, du coup je l'ai balancé sur le côté. Hop. Donc la carte promo, le Giratina V. Magnifique, ça fait vraiment plaisir d'avoir une carte Giratina en ultra rare dans ma collection récente, hein, parce que bon, j'avais pas de. J'ai pas de Giratina hors d'épée, quoi. Allez, j'ai quand même la niveau X en deux fois. Donc on a deux origines perdues et deux points de fusion. Ok. Bah écoutez, vous, ce qui vous intéresse, c'est le contenu des boosters. Donc bah écoutez, je m'exécute et je les ouvre en espérant vraiment avoir quelque chose de sympa. Alors maintenant, je fais plus les tris, hein, parce que voilà, il y a des codes derrière. Alors sur cela, je crois pas qu'il y avait encore, il y a déjà les codes, je sais plus. Ouais, non, il n'y avait pas les codes. Je crois pas. Allez, c'est parti. On commence par Oui, Messire. Darumaron. Point de fusion, hein, qui était une série, ouais, assez moyenne quand même, mais on a quand même des belles cartes. Hein. Pandespiègle. Moumouton. Feuille à joue. Flobio. Ouh, ça brille direct. Lugulabre. En V, d'accord. Sympa. Donc, premier petit hit. Ok, bon, c'est pas la plus belle, mais on prend. Et derrière, voilà. Les Unko, on les passe. Bon, bah, premier booster, déjà, quelque chose. Ce sera pas bredouille. C'est bien. Par contre, ça m'embête. Ah oui, ici, j'ai des pochettes, c'est bon. Que serait un bureau Pokémon sans pochette, hein, les gars? Hop. Une pochette là. De Darkrai. Hop. Et si on mettait pas Giratina dans une pochette de Darkrai? Bah, si. La pochette, bon, ouais, elles sont bien les pochettes là, hein, ces petites pochettes transparentes, mais il y en a beaucoup qui les utilisent en disant qu'elles sont bien, elles sont souples. Elles laissent respirer, donc on va écouter. 4 minutes de vidéo, on a 2 ultras. C'est bien. Oui, donc on savait par avance qu'on allait avoir, mais la deuxième, c'est une surprise. Pas forcément une bonne surprise, mais une surprise. Voilà, point de fusion, on continue. Les boosters sont vraiment. C'est des robes, ils sont énormes. Peut-être que c'était une particularité de cette série, je ne sais plus exactement. Et du coup, on va faire le code, hein, sur cette série, étant donné que on n'est pas spoil, mais le reste, j'ai vraiment pas envie d'être spoil. Allez, Flingue Boost, Ferrosinge, Zigzaton, Le Vénard, Goupix, Énergie Obscurité, Chapignon, Échange Croisé, Miasmax, Minotaupe, en peu comme une reverse, très très sympa. Derrière, ce sera un petit Zalarsen en holo. Belle pioche, encore une fois. J'espère que tous les hits ne tombent pas sur point de fusion, parce que point de fusion, voilà,
Mais c'est déjà ça, cool. Je me sens comme David Lafarge avec mes pochettes. Sympa. Hop, même le Minotaur, hein, j'ai bien aimé les gars. Bon, à mon avis, je m'intéresserai pas forcément encore une fois à lui, mais bon. Hop là, on va y tomber. Remets-toi bien. Hop. Parce que c'est vrai qu'en plus, maintenant j'ai un iPhone, donc je peux pas vraiment faire de pause en fait. Avant je pouvais. Allez, Origine perdue, ça c'est une série qui nous intéresse. On a un Giratina alternative. Allez chercher. C'est l'homme, Makuhita, Dynavolt, Cornèbre, Polichombre. Allez, s'il te plaît, une petite. Non, je crois pas. Winra Rivers, quand même, qui est au massacre. D'accord. Non. Ah, une erreur, c'est bon. Lamantine, une énergie haut, Match Chopper, Chimera et énergie cadeau. Voilà. Bon. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Mais bon, ça fait rien. Une petite rare Rivers, quand même. Si un jour. Ça me chante de faire des master sets, ce sera déjà ça de prix. Il a bien ouvert le booster, ça se fait plaisir. Il est très beau. Et donc le dernier booster déjà de cette vidéo. Le petit Giratina. Voilà, j'allais dire d'origine perdue. Donc, oui, forcément. Allez, pas de spoil, c'est parti. Rocabo. Otaria. Zorua de Issui, Blitzy, Machoke, une Common Reverse qui sera Fantominus, et derrière on a quelque chose. Par contre, bon, c'est de la V simple. 210. Oh oui, Zoroark, sympa. Ok, cool, super. Et on finit comme ça, d'accord. Ok, bon, on n'aura pas eu de gros hits. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand je vois le fait que ça soit une V, quoi. La petite couleur noire là en dessous, j'aimerais bien que ce soit une alternate ou un truc comme ça. Non, faut pas rêver. En vrai, ça fait vraiment plaisir. Ce Zoroark chez Gold Pass, ça me fait vraiment grand, grand plaisir. Parce que bah, la nouvelle version de Zoroark, souvent les nouvelles versions de Pokémon, on a un peu de mal. Mais là, Zoroark, je trouve que c'est réussi. Alors, donc, on a eu le petit Salarsen Holo. Bon, ça c'est pas forcément la carte qu'on va retenir, mais c'est déjà ça. Lululabre, sympathique je trouve. Giratina, donc la carte promo et la plus belle carte de l'ouverture. Le Zoroark de Issui. Voilà. En tout cas, on va dégager. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser votre petit j'aime, commenter ou même à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Junko. Peace.